Yo les gens, c'est Fatma80HD, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le live sur FIFA 13. Hein. J'avais dit que je le sortirais dimanche, malheureusement je le sors avec un jour de retard, donc je m'excuse auprès de vous. Donc avec une nouvelle équipe que je me suis créée dans la journée. Donc une équipe Dortmund, comme vous pouvez constater. Donc avant que vous me posiez les questions, mais comment t'as fait pour avoir autant de crédit? Bah c'est tout simplement que j'ai vendu Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et Lavezzi. J'arrivais vraiment pas avec cette équipe PSG, donc je me suis dit. On va pas se prendre, on va pas, je vais pas continuer avec. Je vais tenter avec Dortmund vu que c'est une équipe avec laquelle j'aime bien jouer en mode normal. Donc on va tenter Dortmund. Donc je me suis fait une équipe Dortmund, c'est logique. Une équipe, ça va, ça m'a pas coûté si cher que ça au final. Enfin, c'est surtout le Marco Reus boosté qui m'a coûté cher, 90 000 crédits si je dis pas de bêtises. Donc je vais quitter cette session de jeu parce que ça ne veut pas se lancer. Donc comme vous pouvez constater, je suis en Coupe Gold. Hein. J'ai lancé la Coupe Gold. Donc une équipe, voilà, hein, c'est ça va vite. Ça va vite, c'est puissant. C'est tout, c'est beau. Donc Zlatan, du coup, bah, si vous voulez les prix, Zlatan que j'avais acheté 270 000 et je l'ai revendu 400 000. Thiago Silva que j'avais acheté 80 000, je l'ai revendu 140 000. Et là, Lavezzi, je l'ai revendu au même prix, c'est-à-dire 30 000. Donc c'est vrai que j'ai vraiment fait une grosse plus-value. J'aimerais bien que ça se lance par contre. Ce serait gentil. Oh putain, j'en ai marre du jeu. Je veux faire un live, ça marche même pas. Ah, enfin quelqu'un. Et je pense qu'il va avoir une équipe Chelsea. Je sais pas pourquoi je le sens, équipe Chelsea. Logo Chelsea. Ah non, équipe allemande, équipe Bundesliga. Donc il a le même gardien que moi, il utilise Gundogan comme moi, Marco Reus, Mario Götze comme moi, et Robert Lewandowski comme moi. Donc il a quelques joueurs que j'ai. Donc c'est parti, j'espère réussir devant vous à gagner ce match. Pour ma première avec cette équipe. Donc voilà, hein, c'est une équipe, normalement ça va vite. Comme vous savez, FIFA c'est vitesse, donc... équipe rapide tout simplement. Par contre, je tombe sur un mec qui a une connexion bien dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'en ai marre des mecs comme ça. Ça fait des pauses et tout. Ça tape des pauses au bout d'une minute de jeu. Donc, c'est splendide. Donc, c'est splendide. Donc, sinon, concernant la vidéo des 1000 abonnés, donc une vidéo que je. Bah, ça y est, j'ai le jeu. Donc, j'ai plus qu'à la faire. J'ai le jeu. Donc, le jeu, je l'ai acheté 3 euros. C'est clair que c'est pas cher du tout, du tout. Lewandowski. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime cette équipe du Borussia Dortmund. Ça joue au foot. Ça fait plaisir, hein. Donc Dortmund, c'est une équipe, voilà, je suis pas supporter de cette équipe, mais j'aime bien regarder quand elle joue, quand il y a des matchs de Bundesliga qui passent à la télé, j'aime bien la regarder quand c'est cette équipe, parce que c'est une équipe qui joue vraiment au football, quoi. C'est du beau jeu. Et dans FIFA, c'est une très très bonne équipe, donc voilà, on rend un petit hommage, donc comme vous avez pu constater, vous devez vous dire, mais pourquoi t'as pris Marco Reus boosté? Bah, simplement parce qu'il n'y a vraiment personne à gauche dans cette équipe, sinon, je peux pas négliger le côté gauche. Donc franchement, voilà, un Marco Reus surtout boosté, quoi, c'est du 93 de vitesse. C'est clair que ça apporte de la vitesse, hein, c'est logique, 93 de vitesse. Oh, on tente la frappe, pouf! Weidenfeller, donc il a le même gardien que moi. Il a le même gardien que moi, donc j'ai hésité. Honnêtement, j'ai encore les crédits, donc je vais voir là. J'ai hésité à prendre la version boostée. Pour l'instant, je fais comme ça. Bien joué ça! Bien joué, Leitner! Leitner, donc voilà, Leitner, c'est une des cartes les plus. Enfin, c'est un des joueurs les plus chers de cette équipe. Car comme vous avez pu constater, il a argent, il a vraiment des très très bonnes stats, donc je l'ai payé 30 000. Bah, si vous voulez, je mettrai dans la description, je mettrai le prix des joueurs en question. Donc je suis sur Xbox 360, donc forcément sur PlayStation 3, ça sera pas du tout les mêmes prix. Mais voilà. Donc ouais, ça commence plutôt pas mal ce match. Je vais essayer quand même de pas me faire avoir. Donc voilà, c'est une équipe rapide, hein, le côté droit surtout, le côté droit est très très rapide. Donc un Blachikovski 80 plus 90 de vitesse, un arrière droit à 86 de vitesse, si je dis pas de bêtises. Puis bah après défensivement, Subotic est un peu lent, mais Subotic du coup je l'ai mis côté droit comme ça.
Bah, s'il y a des erreurs de vitesse, ça sera le côté plus rapide, surtout que bah, juste devant lui, il y a Gundogan qui est très rapide aussi. Voilà, parfaitement. Oh là là, vous avez vu ce tacle qui m'a fait là? Vous avez vu ce tacle qui m'a sorti? Oh là là, c'était. C'est du football, ça c'est du football. Oh là là, Mario Götze. Oh là là, aïe aïe aïe, putain, quel con, j'aurais dû frapper. J'aurais dû frapper, j'aurais dû frapper. Putain, c'était bien joué, c'était bien joué. C'est jeté, il a pris la feinte, il a pris la feinte. Bon, c'est vrai que ça lag un peu, donc je m'excuse, hein. Je m'excuse. Donc oui, sinon j'en étais à vous parler de la vidéo d'Emile. Donc la vidéo d'Emile, le karaoké sur Def Jam Rapstar. J'ai le jeu. Donc faudra juste que je me trouve un moment pour le tourner. Pour tourner le. Bah, le. Cette magnifique vidéo qui risque d'être humiliante pour moi. Mais bon, c'est un petit délire. Hein. C'est vraiment c'est une vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc voilà, quoi, c'est pour le délire. Donc je vous la fais comme ça. Par contre, il abuse un peu des passes lobées. Lui. Il abuse un petit peu des passes lobées. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je me fais pas avoir. Oh là là, bien joué ça, l'interception. Oh putain, voilà, il est parti. Il est parti, Blachikovski. Il est parti, la frappe. La frappe de Blachikovski. Ouh là 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 là, il a éclaté la barre. Il a éclaté la barre. Cette équipe me fait rêver. Oh là 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 là, putain de merde. Pourquoi? Pourquoi là là? Je viens de lui casser la barre transversale. Voilà, donc Philippe Santana, monstrueux. Il y a plein de gens que je découvre. Enfin, sur FUT surtout, parce que bon, après, c'est une équipe avec laquelle je joue exactement dans le même dispositif, sinon en mode normal. Bien joué, gardien! Donc, bon, les joueurs sont pas inconnus non plus, mais mode FUT, on sait comment c'est avec l'histoire des liens et tout. Ça augmente pas mal les vitesses, donc hop, on va par là, t'as cru que j'allais la donner, hop, maintenant. Oh putain, il la donne pas à la bonne personne. Oh, c'est pas grave. Oh lolo, y a pas faute là, monsieur l'arbitre! Ouais, donc la vidéo d'Emile, parce qu'à chaque fois je suis interrompu parce que j'ai une occasion ou il a une occasion. Donc, la petite passe lobée là, voilà, on passe devant. Hop, il la récupère. Putain, j'ai failli l'avoir encore. Au niveau de l'anticipation, j'ai de l'avance sur lui, on dirait. Donc, qu'est-ce que je disais? La vidéo d'Emile. Donc, j'ai le jeu. Faut juste que je me trouve un moment pour poser. Pour me poser, ouais, parce que là c'est du rap, donc on pose, quoi. On va poser au studio, dans la salle du temps, quoi. Donc je vais vous faire des. Je ferai du rap français, parce que bah, rap américain, ça risque d'être vraiment n'importe quoi. Donc ça sera du rap français, il y a pas mal de sons, donc il y a du Kery James, du This is la peste, je pète les plombs, du Ol'Kinry, du Rof, du Oxmo Puccino. Oh là là, tu vas le doubler, tu vas le doubler, tu vas le doubler. Oh putain, mais quel con, pourquoi je tente ces lobes? Les lobes, ils sont pourris maintenant dans FIFA. Alors sur FIFA 10, c'était ça, sur FIFA 10, hein, vraiment un jeu qui date. Hein. C'était les lobes, c'était les frappes, les gardiens super avancés. Donc dès que vous mettiez un lob, il y avait but. Et là, depuis, ils ont modifié complètement. Bah, ils ont modifié le gardien, donc le gardien ne sort plus trop. Mais surtout, ils ont modifié l'aspect du lob, j'ai l'impression. Ce qui fait que ça ne passe plus. La passe lobée passe tout le temps. Mais le lob, le lob, il s'en veut. Ouais, franchement, je suis vraiment en train de faire un gros gros match là. Allez hop, oh putain, son gardien il est là, bon, en même temps on a le même, mais. Oh le centre raté, putain, j'ai été con, j'aurais dû repousser un petit peu ma balle. J'ai failli l'avoir là, j'ai failli l'avoir. Donc ça, c'est des tacles automatiques, j'ai l'impression, c'est le jeu qui tacle pour vous. Je sais pas si c'est un bug ou quoi qu'est-ce. Ah putain, ça lag, ça lag. La frappe! Ouh là là, le poteau! Oh, je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Là, qu'est-ce qui se passe là? Donc la barre, le poteau. Poteau, on va voir si je vais sûrement taper le poteau qui manque. Ah ouais, là, j'aurais tout tapé dans ce match. En une mi-temps. Ah donc c'est vraiment. Elle est vraiment kiffante cette équipe. Elle est vraiment kiffante. Par contre, faut que j'évite de me déconcentrer. Ah, elle a pas se lobé. Qu'est-ce qu'il fait que ça, mec? Oh putain, Marco Reus. Ah non, c'est Leitner, putain. Je les confonds, les mecs. Ils sont tous blonds en même temps. C'est pas de ma faute, ils sont tous blonds, ils vont tous vite. Y'a que Philippe Santana qui est. C'est vrai qu'il y a qu'un Renoir dans l'équipe. Oh, pas mal. Pas mal ça, voilà. Y'a hors-jeu. On se concentre. Par contre, ce qui est relou, c'est quand ça lag, j'ai l'impression que le jeu il est plus lourd. Enfin, je sais pas si. Mais frère, tu fais que ça. Il fait que des passes lobées. Oh putain, mon téléviseur va s'éteindre. Faut que j'appuie sur OK. Elle ou la télécommande. Super. Bon, ça va.
Mais c'est quoi ce téléviseur? Attendez, juste je regarde un truc. Ah, c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas touché à la télécommande, donc ces trucs de. Les trucs économiques là, la con. Ça fait chier, bordel, là, je partais en contre. Donc il a la possession de la balle, mais franchement, au niveau des occasions, je suis clairement devant. Bon, après, je sais pas si la possession. Franchement, la possession, je sais pas, je le sens pas vraiment dominé, archi dominé. 8 tirs cadrés, tiens, d'ailleurs, c'est bizarre parce que maintenant ça compte les poteaux et tout, ça les compte comme cadrés, donc ça va, c'est. Oh, quel con! Ça, c'est bien foutu maintenant parce qu'avant, c'était pas compté comme cadré. Oh là là. Mais quel con, putain, pourquoi je la mets en retrait? Ah, je tente de dribbler, j'arrive pas. Eh, y a faute là? Bon, attendez. Ouais, l'arbitrage, regardez ça, l'arbitrage est vraiment pourri. Il m'a sifflé une faute, je sais pas d'où il la sort. Honnêtement, je me demande bien. Je cherche encore, je cherche encore. Ouais, donc la vidéo des 1000, hein, je pense que vous allez pas mal rigoler. J'espère. Ça risque d'être bien, bien, bien fandard. Je chante, je vais tout donner, je vais tout donner. Donc là, vous allez voir un autre aspect de ma personnalité. Donc, l'aspect chanteur. Moi aussi, je vais la faire, la passe Kobe. Moi aussi, je vais la faire. Pourquoi ça rentre pas? Pourquoi ça rentre pas, bordel? Donc Mario Götze, tu vas me tirer ça parce que comme t'es petit, tu peux pas porter vraiment le surnombre de la tête. Puis t'as une bonne petite qualité de passe quand même, faut pas négliger ça. Donc Pichek la frappe. Oh non, j'allais crier, mais c'est pas dedans. Donc le, ça c'est le maillot des Celtics qui me donne la force. Oh lolo, que con, je veux faire le. Attends, je veux faire le méchant, je veux faire le petit. Je suis en train de croquer vraiment, je suis vraiment en train de croquer et s'il marque, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va revenir au score. Donc ça c'est le genre de match comme ça où vous avez la maîtrise, vraiment la maîtrise, et vous pouvez vous faire avoir à tout moment. Voilà, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça. La passe lobée, H24. Toutes ces actions font partie d'une passe lobée. Je veux bien qu'on puisse en abuser. Je veux bien que ce soit un style de jeu, mais elle est abusée quand même. Vous avez vu ça, vous êtes sûr de prendre l'avantage sur l'adversaire suivant comment elle est donnée. En fait, faut limite faire du rugby, c'est-à-dire passer devant le joueur et l'empêcher de truc. Mais comme là c'est une tête plongeante et que dans ce joueur-là, le mec il a fait une tête plongeante, il est passé entre mes jambes pour la placer sa tête. C'est clair que ça aide pas. Putain, je suis vraiment paumé là. Blachikovski, voilà, on l'a vu partir. On l'a vu partir, Emir Gundogan. Il a 4 étoiles. Putain, il a 4 étoiles, mais il n'a pas fait le geste. Hein. La tête. Oh putain, ça. Ça m'a pas sélectionné, bonjour. Putain, j'étais en train d'éclater le bouton pour changer de joueur. Voilà, donc là, faut faire attention quand vous faites des passeurs trop gardiens. Je me suis fait avoir comme ça. Des fois, le gardien pousse trop la balle. Donc, ce qui fait que. Mais il la pousse vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ce qui fait que vous prenez un but, quoi. Sauf si le mec est vraiment nul et qui la rate. Mais genre de contrôle horrible. D'ailleurs, il m'a blessé un joueur, lui, super. C'est ça le football. Putain, Philippe Santana, il est monté carrément. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi cette équipe? Philippe Santana qui est aux avant-postes, qui veut centrer. Ah, c'est Mario Götze qui s'est blessé. Ah, il est fragile le petit Götze, c'est son problème d'ailleurs. En vrai, hein, en vrai, il est vraiment très très fragile. Là, je sais pas ce que j'ai fait. J'essaie de me mettre devant lui, ça marche hein, des fois. Ah, je suis en jeu, il s'est pas replacé. Robert Lewandowski ne s'est pas placé. Le petit Robert qu'on l'appelle. Voilà, hein, Lewandowski, c'était mon coup de cœur sur fut, hein, pour ceux qui découvrent. Qui m'ont découvert il n'y a pas longtemps, hein, sur fut, sur FIFA 12, j'avais déjà fait une équipe Dortmund. Et c'était déjà un coup de cœur. C'était déjà un coup de cœur, donc les anciens abonnés. Ceux qui me connaissent depuis quelques temps maintenant le savent. J'avais vraiment accroché à cette équipe. Voilà, but. Oh, Weidenfeller, tu m'as fait un putain de parade qui fait plaisir. Oh, je me méfie. Il y a du monde dans sa surface, lui. Allez, là, tu la bloques. Voilà, nickel. Tu prends ton temps pour dégager. Allez, hop, tu la mets là-bas maintenant. Et voilà, c'est parti, on part en contre. Donc Blachikovski pour Piszczek. Là. Là, c'est pas sorti. Oh là là, ce sauvetage! Oh là là, pour moi il y avait but. Hein. Pour moi il y avait but.
Oh, ce que je rate! Eh, c'est criminel ce que je viens de rater là. Normalement, c'est but. Hein. Normalement, c'est but. Putain, mais quel con. Mais quel con. Putain, j'ai tenté un truc, voilà. Eh, si. S'il arrive à revenir au score, qu'est-ce qu'il me fait, mon gars? Qu'est-ce qu'il me fait? Oui, c'est moi, j'ai appuyé sur sortir le gardien. C'est clair que c'est pas un bon filon. Au final, ça me sert quand même. Qu'est-ce que j'ai raté avec Robert Lewandowski? Bon, par contre, il a fait un sauvetage juste avant. Du grand art. Oh là 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 là, putain, putain, putain. Ça, il veut pas rentrer le troisième. Il veut pas rentrer ce troisième but. S'il te plaît, lèche. Vu comment tu te fais dominer, laisse-moi marquer un troisième but pour mes abonnés, quoi. Felipe Santana, défenseur à ses heures perdues dans la surface adverse. Oh là là. Voilà, parfait, on écarte. Mario Götze. On l'a vu lui là-bas. Ouais, lui aussi on l'a vu. Lui aussi on l'a vu. Faut pas laisser. Oh putain. Putain de bordel. Eh, ce match-là, je dois le gagner au moins 3 ou 4-0, honnêtement. Et sans me vanter, hein, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est un match. J'ai vraiment la main mise là. Mais je croque énormément. Je croque vraiment énormément. Tu vas arrêter? Tu vas arrêter de. Oh là là, putain, on a pas stoppé, il a fait que ça, mais. Oh non, il l'a fait au sol. Il l'a fait au sol. Donc là, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de crédit, donc je sais pas quoi faire comme team. J'ai exactement 300, je crois, enfin, j'ai beaucoup de crédit. Donc je sais pas vraiment quoi me faire comme team. Oh, je vais la tenter là, City. Oh putain, mais son gardien, bordel. Son gardien a décidé de faire le match de sa life. Je vais la tenter extérieure cette fois-ci. Oh là là, oh là là, oh là là, bah non, son gardien encore une fois. Bon bah voilà, je pense que là ça va être la fin. Voilà, c'est la fin du match, donc une victoire nette, propre, sans bavure. J'aurais dû le garder, c'est vrai que c'est un match que j'aurais dû. J'ai dû tuer d'entrée le match. J'aurais vraiment dû lui mettre une vraie piquette. Mais c'est pas rentré. Donc voilà, je sais pas vraiment quoi me faire comme équipe. Là, je suis en train de réfléchir encore. Peut-être une Barclays Première Ligue, ou peut-être modifier ma Barclays Première Ligue, faire un truc mieux, je sais pas. Ou une Liga BBVA. Enfin, au moment où je vous parle, hein, je sais pas quoi faire, mais je pense que d'ici là, j'aurais déjà tout claqué dans de nombreuses améliorations. Donc voilà, donc c'était FatMat91HD, je viens de me gratter une croûte et j'ai plein de sang sur les mains, donc c'est super dégueulasse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, hein, la possession est largement revenue en ma faveur sur cette seconde période. Donc un match, voilà, hein, je dois le gagner, c'est clair que je le gagne, hein, mais je dois le gagner beaucoup plus. Donc c'était FatMat91HD, j'espère que ce live vous a plu. Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, et pendant que j'y suis, pendant que j'y pense. Pensez à me suivre sur mon Twitter FatMat91HD parce que je sais pas du tout si je vais vous sortir une vidéo dans la semaine. Il y en aura une le week-end prochain, c'est sûr. Mais je sais pas du tout si, à part cette vidéo-là que vous voyez ce lundi, s'il y en aura. Il y en aura une bah, dans la semaine, quoi. Parce que, comme vous savez, je suis en stage et peut-être que suivant mon état de fatigue ou qu'est-ce, je sais pas. Donc je vous promets rien. Je vous promets rien, comme ça vous serez pas déçus. Et FatMat91HD, si, bah, pour être au courant de toutes mes nouvelles. Donc voilà, prenez soin de vous les gens. Bye tout le monde, prenez soin de vous, puis à la prochaine.